Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance des lundis matins dont vous avez l'habitude. Je vous présente Marc, qui Bonjour. va être notre enseignant en activité physique adaptée aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà participé avec lui. Il fait partie de nos habitués. Bienvenue pour cette nouvelle séance. On va attendre que tout le monde se connecte. Il manque encore un petit peu de monde. Merci en tout cas d'être présent alors que le soleil refait surface. On sait que vous avez envie certainement de ressortir et ça se comprend. Nous aussi. Mais donc pour l'instant, on propose toujours ce format le lundi matin pour compléter ce que vous pouvez faire le reste de la semaine, hein. Donc, dans le cadre d'un nouveau programme, je vous en ai parlé, qui s'appelle Seconde Jeunesse. Vous êtes les tout premiers à en entendre parler, hein. On va commencer à communiquer un peu plus dessus au fur et à mesure. Mais donc, le principe de Seconde Jeunesse, c'est de pouvoir vous proposer tout un accompagnement à la pratique de l'activité physique adaptée, avec en particulier des séances par notre vidéothèque que vous connaissez également, et des séances en direct par visioconférence. Et puis petit à petit, on viendra enrichir avec des nouveaux services et vous serez les premiers informés. Donc aujourd'hui, Marc va vous proposer une séance de réveil musculaire. Vous avez peut-être flâné sur les terrasses ce week-end, peut-être pris le soleil comme Marc, hein, qui a quelques coups de soleil, qui a pas appliqué la crème. Tout à fait. Et bon, il est comme moi, avec des peaux blanches comme ça va vite. Et donc aujourd'hui, réveil musculaire avec une partie sur chaise, une partie debout. Donc vous aurez certainement besoin d'une chaise. L'idée, c'est voilà, de remettre votre corps en mouvement pour cette semaine ensoleillée qui s'annonce et pour la reprise peut-être de vos activités sociales, sportives, associatives. Toujours quelques mots donc sur la sécurité. Hein. Je vois Muriel qui est connectée, Françoise, bonjour, Thérèse, Fabienne, Pierre, donc des habitués. On est ravis de vous revoir aujourd'hui. Donc quelques mots de sécurité avant de commencer, même si vous avez l'habitude. Déjà, faites attention à ne pas aller trop loin dans l'effort, hein. Vous le savez, par ce format-là, on ne peut pas vous voir. Donc, c'est à vous de pouvoir vous jauger aussi, hein. Donc, n'allez pas vers la douleur, n'allez pas jusqu'à un essoufflement trop important, une hyperventilation trop forte. Donc, il faut vraiment pouvoir gérer votre effort. Faites attention à la chaleur aussi. Chez vous, si vous êtes dans une pièce chaude, pensez à bien fermer les volets, à bien aérer, parce que votre température corporelle va aussi augmenter. Et donc, s'il fait chaud déjà dans la pièce, vous risquez un peu la surchauffe. Donc ça, c'est un point surtout en ce moment que le soleil revient. Pensez aussi à vous hydrater, à avoir une bouteille d'eau à côté de vous, c'est important. Marc va faire quelques pauses de temps en temps, vous pourrez vous hydrater. C'est aussi essentiel maintenant que l'été va arriver. Et puis, dernier point, nous vous conseillons à chaque fois d'avoir votre téléphone portable à côté de vous, parce que un souci de santé, ça peut arriver. Donc, c'est préférable d'avoir le téléphone à proximité. Dernière chose, même si vous avez l'habitude également, quelques mots sur l'outil, hein, qu'on utilise. Donc, pour le chat, pour certains, vous l'avez déjà fait. Donc, vous avez une petite flèche en haut. Un petit trait vertical avec une flèche vers la gauche ou vers la droite. Donc, ça vous permet d'ouvrir ou de fermer le chat. Et donc, quand vous l'ouvrez, vous pouvez nous poster un message. C'est toujours sympa. Et puis, vous avez en bas à gauche de votre écran un bouton d'aide. Donc, ça, c'est si vous avez des coupures son ou vidéo, vous pouvez cliquer dessus et rafraîchir la page. Ça permettra de relancer éventuellement votre page Internet et votre caméra pour pouvoir rafraîchir et relancer. Et normalement, dans la plupart des cas, ça permet de résoudre le problème. En tout cas, nous, techniquement, on a testé nos réseaux, ils sont très bons. Donc je pense, je touche du bois, je pense que ça devrait bien fonctionner. En tout cas, on l'espère parce que, évidemment, sinon, c'est désagréable pour tout le monde. Voilà, Marc, je te laisse entre les mains de
de nos pratiquants experts et habitués. Merci bien. Et puis, écoute, moi, je reste en ligne. Hein, s'il y a besoin dans le chat, je vais couper ma caméra et mon micro et on se retrouve à la fin, donc d'ici une petite heure. Allez, à tout à l'heure. Super, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bonjour Muriel, Françoise, bonjour Thérèse, Fabienne et Pierre et aux autres. Bienvenue du coup sur ce nouveau lundi. Comme l'a précisé pour les consignes de sécurité, comme on l'a précisé, on va aussi faire attention aujourd'hui à la respiration. D'accord? On va essayer de faire des choses qui sont quand même accessibles pour tout le monde, mais c'est possible qu'il y ait des légers essoufflements, donc par rapport au niveau que vous avez déjà, si vous ne connaissez pas encore très bien là-dessus, pensez surtout à faire attention à ça. C'est-à-dire que si votre essoufflement devient trop important, n'hésitez pas à vous asseoir, à laisser la respiration se calmer doucement avant de reprendre, d'accord? C'est pas grave. Rien ne vous empêche de refaire ensuite les exercices par la suite à votre rythme et de voir votre amélioration justement par rapport à ça. On va avoir besoin aujourd'hui pour commencer d'une chaise, comme on vous l'a précisé, parce qu'en fait, je vais vous proposer une séance avec une progression, d'abord assise, puis debout, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent surtout. D'accord? Donc, on va commencer un petit peu, pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, avec un petit échauffement articulaire, et ensuite, on y va sur des petits exercices simples. On va essayer de travailler la coordination, mais aussi des légers essoufflements sur des exercices continus. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin sur le chat, hein, j'essaie de garder un œil aussi dessus si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris. Et c'est parti. Allez, je vous laisse vous lever tous. On y va au début, un petit peu comme il y a 2 semaines. On va commencer avec le haut du corps, les poignets pour commencer. On vient serrer ici les mains, les doigts croisés et on essaie de faire des petits cercles doucement. Pareil, hein, si vous préférez le faire assis, vous pouvez. De toute façon, on retournera assis pour commencer les petits exercices. Donc là, c'est important d'aller faire votre petit exercice d'échauffement articulaire, ne serait-ce que pour ne pas se blesser. Si vous sentez qu'il y a des raideurs, ça peut vous aider aussi avant de commencer n'importe quel exercice. Ou au réveil, c'est peut-être très utile aussi. Okay. On continue ensuite avec les coudes. On va poser la pointe de doigt ici sur le coude. On tend le bras devant soi, ici, et on vient passer la main vers l'intérieur. Pointe de doigt toujours sur le coude, je tends la main devant, puis je repasse dans le sens inverse. Paume de main vers le haut, et on recommence. On fait ça 5 ou 6 répétitions, doucement. D'abord avec le premier doigt, bras, pardon. Hop. Allez, encore 3. Le dos peut rester bien droit, n'hésitez pas à écarter un petit peu le coude, hein, si vous voulez avoir plus de place, vous n'êtes pas obligé d'être contre le corps. Au contraire, on essaye d'être ample, très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Pointe de doigt sur le coude, je passe vers l'intérieur et on pivote. Ici, très bien. Allez, on y va doucement. Encore une fois, ça ne sert à rien d'aller trop vite. On est sur un échauffement. On essaye de faire en sorte de réduire les raideurs ou peut-être certaines douleurs articulaires. On y va doucement. Et on continue avec les épaules. Ok, pareil. Selon les sensations, on va essayer d'y aller doucement. On va commencer les bras tendus de chaque côté, pointe de doigt tendue. Et on va essayer de dessiner des petits ronds avec la pointe de doigt. Doucement. Si ça réveille déjà les douleurs, on reste sur des cercles plutôt moyens. On ne va pas trop loin. Si jamais on peut, si ce n'est pas douloureux, on augmente doucement l'amplitude des mouvements des cercles. Jusqu'à si on le peut. Voilà. Par la tête, jusque sur les hanches. Très bien. On continue doucement, encore deux. Très bien. Je reviens de chaque côté. On va essayer de fermer les poings. Et on va pivoter avec les bras. Je pivote ici. Tout bouge, hein. Pas uniquement les poignets. On est la main, le coude et les épaules viennent pivoter dans un sens puis dans l'autre. Très bien tout. Et on y va. Allez, encore pour 5 petites répétitions. Doucement. Ça doit chauffer au niveau des épaules et ça peut chauffer aussi dans les omoplates. C'est normal. Ça commence à se mobiliser, à se réchauffer. C'est une bonne chose. Ok, pas trop non plus. On relâche. Très bien. On écarte légèrement les pieds ensuite. Les doigts de chaque côté des hanches. Et on va essayer d'aller faire des petits cercles. Encore une fois, on est connecté à ces sensations. On ne va pas
trop loin. Si c'est douloureux, on s'y sent pas à l'aise avec ce mouvement, on y va doucement. Et au contraire, si tout va bien, on peut essayer d'augmenter l'amplitude du mouvement, la grandeur du cercle. On essaie de faire la même chose dans l'autre sens, doucement. Et surtout, on n'oublie pas de respirer, hein. Même si vous n'êtes pas à l'aise sur le mouvement, on essaie de rester actif sur sa respiration, pas en apnée. Ça va être important aussi pour la suite, hein. Comme je vous l'ai expliqué, on va être connecté sur quelque chose qui peut créer des essoufflements. Ok, on continue ensuite sur les genoux. Donc, on essaie de resserrer un petit peu les pieds. Hein. Pour ceux qui se sentent à l'aise, on peut les serrer totalement, on reste légèrement ouvert, hein, pour notre équilibre. On fléchit légèrement les genoux si on peut, les doigts, les mains sur les genoux et on va essayer d'aller faire des petits cercles ici. Pareil, une amplitude équivalente à la façon, au ressenti que vous avez. Très bien. Allez, doucement. Dans l'autre sens, la même chose. Super. Allez, on relâche et on va finir avec les chevilles, pointe de pied au sol, et on va essayer d'aller faire des petits cercles ici. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez essayer d'attraper une chaise ou vous appuyer sur un mur pour garder l'équilibre ici. Des petits cercles avec le talon dans un sens, puis dans l'autre. Super, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Des petits cercles. Doucement, très bien dans l'autre sens. Ok, très bien. Et on va finir par un petit étirement. Quand vous me verrez, généralement, on le fera. Hein. C'est mes petites habitudes sur les séances. On va essayer d'abord de se grandir, d'accord? Donc, très simplement, on inspire, on tend les bras le plus haut possible, on se grandit. Et attention, on passe sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va essayer de laisser tomber les bras, la tête vers le bas, les jambes restent tendues. D'accord? On laisse bien tomber la tête, on laisse bien tomber le bras. Attention au dos, si ça réveille des douleurs, on s'arrête, on ne va pas trop bas. Si on peut, on peut essayer de descendre un peu plus bas jusqu'à ce qu'on ressente un étirement, un léger étirement dans les cuisses ou dans les mollets. Puis je vais dérouler doucement le dos en gardant bien les bras et la tête vers le sol, d'accord? Vertèbre par vertèbre, je remonte en contrôle. Et on va bien finir par les épaules, puis la tête. Ok, ça va là-dessus. Ok, très bien. Si jamais il y a des douleurs, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Si tout va bien, je vous invite à attraper votre chaise. On essaie d'avoir quelque chose de stable, pas sur des roues. Quelque chose qui ne bougera pas, d'accord? Donc lorsqu'on s'installe pour travailler sur une chaise comme ça, on fait attention de bien être plutôt au bord de la chaise, d'accord? On ne s'affale pas dans la chaise. L'objectif, c'est d'être actif, de laisser les muscles du corps travailler dans leur totalité. Les abdos, le dos va nous permettre de rester bien droit, de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre, d'accord? Donc on essaye d'être plutôt au bord, les pieds bien en dessous des genoux, plutôt parallèles, d'accord? Et on va commencer des petits exercices avec le haut du corps d'abord. Ok? Donc, ce que je vais vous inviter à faire, si vous le pouvez, on va essayer d'abord de lever les bras comme ceci, d'accord? Donc, le coude à hauteur d'épaule, de chaque côté, les mains face à la caméra ou face à l'ordinateur, ok? Et on va essayer d'aller toucher alternativement avec la main droite et la main gauche, derrière la nuque si on peut. D'accord? De manière lente d'abord, encore une fois, comme on commence les exercices, on y va progressivement, pas trop vite. Et on essaye d'aller toucher derrière la nuque, doucement. Si ça c'est difficile, on essaye de toucher plutôt les épaules. On va un petit peu moins loin, on lève un petit peu moins haut les coudes. On peut même descendre si jamais vraiment c'est trop compliqué, ça réveille des douleurs. D'accord? Pour ceux qui peuvent, on reste derrière ici. Très bien, on va essayer d'en faire une dizaine. D'abord lentement, c'est parti. Une, le dos bien droit et je respire. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Très bien, on va pouvoir relâcher un petit peu les bras. Si tout va bien, on continue hein, sur cet exercice. L'objectif, c'est d'abord de chauffer bien les épaules et le haut du dos avec des mouvements au niveau des bras.
Deuxième exercice, on essaie de les retenir au fur et à mesure. Ensuite, on va les enchaîner. Deuxième exercice, on reprend la même base ici. Donc les coudes plus ou moins à hauteur d'épaule. Et on va essayer de tendre les bras doucement vers le haut. Ici, et je reviens, je m'arrête une fois que les coudes sont à hauteur d'épaule, de chaque côté. Hop, comme ceci. Si jamais ça réveille encore des douleurs, une petite alternative que je vous propose, on garde les bras ici et on part devant. Hop, et je ramène les coudes à hauteur d'épaule, comme ceci. D'accord? Plutôt devant si jamais ça réveille des douleurs. Si d'avoir les coudes hauts, c'est aussi douloureux, on reste vers le bas et on tend plutôt devant. Ok? Donc, on y va pour une dizaine vers le haut pour ceux qui peuvent. Devant pour les autres, c'est parti. Une, deux, doucement toujours. Trois, le dos bien droit. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et je relâche. Très bien pour le deuxième exercice. On va essayer de voir le troisième. Ensuite, n'hésitez pas à relâcher un peu les bras entre deux, hein, si ça chauffe un peu dans le dos ou dans les épaules. Troisième exercice, toujours la même base, mais on va essayer de garder une rotation. Deux possibilités, soit on reste encore avec les coudes en haut pour ceux qui peuvent, et on essaye de descendre les mains le plus bas possible, et je remonte. Comme si on avait un manche à balai qui passait dans le t-shirt de chaque côté, qu'on ne pouvait plus bouger, que c'était plus possible de ramener les coudes vers l'avant ici, et qu'on était obligé de pivoter comme ceci. C'est ça. Pour les autres, si c'est difficile, on va garder au contraire les coudes le long du corps et on écarte comme ceci de chaque côté. Les coudes restent bien collés, je ramène et j'écarte. Ok, on y va pour 10. C'est parti, je descends et je remonte. Une, allez-y doucement, ne cherchez pas à aller trop loin non plus. Deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Ok. Et on va y aller sur un dernier exercice pour la première partie. Je vais vous demander cette fois-ci d'avoir pour tout le monde les bras plutôt tendus vers l'avant. D'accord? Ce qui va donner ceci. Et on va essayer de croiser une fois les mains dans un sens, une fois les mains dans l'autre, d'accord? Au-dessus, en dessous avec la main droite, par exemple, puis on écarte au maximum. On va essayer de se concentrer sur les omoplates qui se serrent dans le dos. Ça va donner ceci. Je croise dans un sens, je croise dans l'autre, j'écarte et je ramène. Une, j'écarte, je ramène. On y va ensemble pour 10. Allez, 3, 2, 1, le dos toujours bien droit. Je croise dans l'autre sens, puis j'écarte. Une, j'écarte. Deux, j'écarte. Trois, très bien. Quatre, allez, on va pouvoir souffler quand on écarte. Six, je souffle. Sept, très bien. Huit, neuf et 10, et je relâche. Très bien. Normalement, on doit avoir tout ce qui se passe autour de l'épaule et du haut du dos qui commence à bien chauffer. On va essayer de le répéter de manière un petit peu plus longue, sur une série plus longue, d'accord, pour aller chercher un rythme un peu plus intense et pourquoi pas un léger soufflement. Ok? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va garder le quatrième exercice comme alternative entre les trois autres exercices. C'est-à-dire, on va commencer par celui-là, d'accord, l'exercice numéro 4. On va en faire 10, on va pouvoir au fur et à mesure accélérer un petit peu les mouvements. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer le premier exercice. Les coudes ici, très bien. Et par exemple, on va lever. Hop, 10 fois. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, je reviens, je recroise, 10 répétitions. On va pouvoir accélérer aussi. Super. Et prendre le troisième, par exemple. Je ramène. Et on pivote. Ok, je vous le dirai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec ça. On essaye d'enchaîner ces trois exercices progressivement. Ça va pour ça? Ok, on y va, on commence. Allez, c'est parti. Dos bien droit, on commence par croiser cet exercice-là. On le fera à chaque fois entre chaque petit exercice que je donnerai. Allez, 3. Et on souffle. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, je viens bloquer, on va lever. C'est parti, je lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rappelle, on peut aller devant si c'est douloureux pour ça vers le haut. 9. 10, je reviens 2, c'est parti. 1, j'écarte, je souffle. 2, 3, 4, on souffle quand on écarte. 5, 6, 7, 8, très bien, 9 et 10. Ok, on reprend ce mouvement-là, on va essayer de les chercher derrière la nuque ou les épaules, selon les possibilités, selon les sensations. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, très bien, 5, si jamais c'est trop rapide, on ralentit, 8, 9, 10, on repart sur notre exercice, les bras tendus, allez, 1, j'écarte, 2, très bien, 3, je souffle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on repart sur un exercice cette fois-ci avec pivot. Celui où on vient basculer vers l'avant et on revient ici, très bien. 2, toujours le dos bien droit, uniquement les pivots au niveau des coudes. 4, ça doit chauffer dans les épaules encore. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Très bien. On va se prendre une petite minute pour calmer tout ça. J'espère que ça va. Normalement, ça a bien dû se réchauffer au niveau des épaules, voire derrière, au niveau des omoplates et du haut du dos. Si vous avez besoin, je vous laisse boire déjà une petite gorgée. Okay. N'hésitez pas, hein, s'il y a des soucis, des douleurs, ou si vous voulez que je vous explique des exercices, on pourra reprendre ensuite progressivement. Ok. Super, merci Muriel. Allez. On continue du coup. On va essayer d'aller chercher plutôt cette fois-ci les rotations au niveau du milieu du dos. Ok. Toujours avec les bras. On viendra s'occuper des jambes juste après. Encore une fois, quatre petits exercices avec un peu plus de coordination cette fois-ci. Et on va essayer de les enchaîner à la fin. D'accord? C'est parti, donc premier exercice très simple. On va essayer d'aller attraper quelque chose loin avec le bras droit sur sa gauche, d'accord? Ce qui va être important, c'est d'essayer d'aller tourner tout le buste ensemble, d'accord? Pas uniquement le bras qui vient chercher, on va essayer d'aller tout tourner. Je peux même accompagner la main du regard et je ramène. Et on fait la même chose de l'autre côté, ici, d'accord? Les pieds n'ont pas besoin de bouger, on essaie de se tenir bien droit. Et c'est parti, on essaie pour 10 d'un côté. Puis de l'autre. Une, c'est ça. Je suis la main du regard. Deux, super. Trois, quatre, allez. Cinq, six, on n'oublie pas de respirer. Sept, huit, neuf et 10. Je relâche très bien. Super. Ça va être notre premier exercice. Deuxième exercice, on va essayer d'aller chercher plutôt des mouvements comme ceci, d'accord, latéral. Comment on va faire? On reste bien droit au début, les bras de chaque côté du corps. On va essayer de compter trois répétitions et après les trois répétitions, on va lever un bras. Ça va donner ça. Je bascule d'un côté, comme si on voulait chercher plus bas possible avec la main, doucement, toujours connecté aux sensations du corps. 2, 3, je lève le bras. Hop, je ramène. 1, 2, 3, doucement, je lève le bras. On essaie de créer un léger étirement quand on lève le bras de l'autre côté. Hop, je lève. On va sentir un étirement qui se crée ici, dans le dos, au niveau des côtes. Ok? N'allez pas trop loin, encore une fois, de manière progressive. Et on va essayer d'y aller doucement pour ça. On y va pour 10. Allez, c'est parti. Je me tiens bien droit au début. 1, 2 et 3. Je descends, puis je lève. Très bien. Je ramène. 1, 2, 3. Je lève. Ça fait 2. Encore. 1, 2,
3, je lève mon son. Très bien. 1, 2, 3 et 4. Super. Si jamais ça réveille des douleurs, n'hésitez pas à garder le bras devant. Ça peut donner ça. Hop, je viens tirer devant. Ok. Vous voulez passer par-dessus. Hop. 3, je viens devant. 1, 2 et 7. Je tire. On souffle bien. 2, 3 et 8. Très bien. Il nous en reste 2. 2, 3, 9. Super. Une dernière. 1, 2, 3. Et je lève très bien. Super. Ça va toujours là-dessus. Donc je rappelle, hein, un exercice, on vient chercher d'abord sur les côtés. Ensuite, on vient chercher une légère rotation avec des passages par le bas. Cette fois-ci, on va essayer d'aller tourner encore un petit peu plus loin le dos. D'accord? Donc on va reprendre les bras devant de chaque côté, comme ceci. Je vais mettre de biais pour vous montrer, ce sera plus simple pour vous comprendre. Donc toujours le dos bien droit. Les mains plutôt allongées à la hauteur d'épaule. Et on va essayer de suivre d'abord la main droite. Je viens tourner. Je suis la main loin derrière, d'accord? On va sentir que ça vient tirer légèrement dans le dos ici et je ramène. Je suis bien la main du regard, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et je ramène. Ça va pour tout le monde? Et on va essayer de faire ça 10 fois, je compte une répétition par mois, d'accord? Allez, c'est parti, on tient toujours bien droit. On essaye d'inspirer quand on ouvre. J'inspire. Je souffle. Je ferme. Très bien. De l'autre côté. J'inspire, je souffle, je ferme. Encore 3. Et je souffle. 4. Et je souffle. 5. Très bien. 6. Ok. 7. Je souffle. 8. J'inspire. Je souffle. 9. On n'oublie pas de bien suivre la main du regard. Et la dernière, 10. Ok. Et je relâche. Super, ça va? Et on va essayer de faire le dernier. Le dernier, on va essayer de longer les jambes avec les mains. D'accord? La seule difficulté, ça va être de bien placer le dos sur cet exercice. Donc le mouvement, c'est celui-ci. Je vais vous demander de longer les jambes et de descendre ici. D'accord? Le plus bas possible selon vos possibilités et de remonter. La seule difficulté là, c'est que je veux que vous essayiez de garder au maximum le dos bien droit. Donc on va essayer de serrer les abdos, de regarder devant soi et de pivoter légèrement vers le haut. D'accord? À la différence de, vous comprendrez peut-être mieux si je vous montre, de ce mouvement-là où là, je vais arrondir le dos. D'accord? Est-ce que vous avez vu la différence? Là, mon dos est arrondi, je remonte. Je repositionne droit. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste bien droit. Donc, ici, hein, je m'arrête dès que je sens que ça tire légèrement dans le bas du dos. Ça ne sert à rien d'aller trop bas. Je souffle et je redresse. D'accord? En longeant les jambes, je reste bien droit. Hop. Et je remonte. Ok. On essaye pour 10 là-dessus. Si jamais il y a des soucis, n'hésitez pas. Je viendrai lire un petit peu vos commentaires. C'est parti. On descend. On peut continuer à regarder légèrement devant soi. Et je remonte. Une. J'inspire. Je souffle. Deux. Trois. Quatre. Très bien. On inspire. On souffle. Cinq. Six. Sept. 8, 9 et la dernière. Et 10, très bien. Ok, on a 4 exercices comme tout à l'heure. On va essayer de les enchaîner maintenant. Alors, il va y avoir 2 vitesses, d'accord? Il va y avoir la vitesse sur cet exercice-là qui va être notre exercice d'attente, celui qui sera entre les autres exercices. On essaiera de le faire de manière accélérée ou progressive, c'est-à-dire de plus en plus vite. D'accord? Toujours selon votre sensation dans le dos. L'objectif, ce n'est pas de se faire mal, mais de sentir que ça chauffe et que le souffle commence à s'augmenter un petit peu. D'accord? Pour les autres exercices, on reviendra plutôt sur les étirements ou sur un geste, disons, moyen. Pas trop lent ni trop rapide, quelque chose de contrôlé. OK? On y va, on essaye. On commence par le premier exercice qui est celui-ci. D'accord? Et ensuite,
Je vous redonne les indications pour les trois autres exercices. On y va, on essaye? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1. Allez, on suit bien la main du regard. 2. On pense à respirer. 3. 4. On essaye d'aller chercher loin, sous les côtés. 6. 7. 8. 9. 10, très bien. On calme les bras de chaque côté, on tient bien droit. Tous les trois, pivot, on va essayer de lever le bras. 2, 3, je lève. 1, je ramène. 1, 2, 3, je lève. Très bien. 2, encore. 1, 2, 3, je lève. Très bien. Je rappelle que vous pouvez toujours mettre le bras devant si c'est difficile avec l'épaule au-dessus. 4, 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. Allez, 1, 2, 3, 8. Il nous en reste 2. 1, 2, 3, 9. Et la dernière, 2 et 3, 10. Super, on repart avec nos bras de chaque côté. C'est parti. 1. Allez, 2, on peut accélérer un petit peu. 3, je souffle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On retourne avec les bras devant soi, le dos toujours bien droit et on va écarter un bras à la fois. On suit bien la main du regard. J'inspire, je ferme. J'inspire de l'autre côté, je ferme. 2, j'inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, 10. On repart sur notre exercice de chaque côté ici et on peut accélérer encore un petit peu si vous le voulez. C'est parti. 1, 2, je souffle. 3, 4, 5. 8, 9, 10 et on y va pour le dernier exercice. Les mains le long des jambes, on n'oublie pas d'essayer de garder le dos bien droit. Je redescends, le dos reste droit. Je souffle, je ramène, je descends. Je souffle, je serre le ventre, je ramène. 2, j'inspire, je souffle. 3, j'inspire. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien, une dernière sur les côtés. Allez, c'est parti, on essaie d'accélérer encore un petit peu. Et 1, et 2, 3, 4, 5, on souffle, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche très bien tout le monde. Ok, je vous laisse boire un petit coup. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Merci Françoise. Merci Thérèse. Ok, n'hésitez pas à vous hydrater un petit peu. Et on va essayer, nous, d'attaquer ensuite un petit peu plus avec les jambes, tout en continuant avec les bras. Donc, plus on va utiliser la totalité du corps, plus on va utiliser le muscle du corps, plus vous risquez d'avoir des essoufflements importants, d'accord? Plus on va utiliser de muscles sur votre corps, plus on va devoir apporter d'énergie pour faire fonctionner tout ça, et plus le cœur va devoir battre vite et faire fonctionner les poumons aussi de manière plus importante. Ce qui crée les essoufflements, c'est normal, d'accord? Le tout, c'est d'essayer d'adapter son muscle au fur et à mesure à ses mouvements, à ses exercices, et ça va s'adapter progressivement. Ok, très bien. On y va, on continue. Ok, n'hésitez pas si je suis trop rapide à ralentir un petit peu. Si ça va pour tout le monde, on va continuer toujours sur la chaise pour un dernier petit circuit. Et ensuite, on finira. Ah, je vais baisser un peu la caméra, pardon. Et on finira ensuite debout. Ok.
C'est parti. Très bien. Donc, on n'a pas énormément utilisé les jambes, donc on va essayer d'y aller doucement aussi au début, surtout pour les mouvements qui vont essayer de faire travailler les hanches, d'accord? S'il y en a qui ont des douleurs, n'hésitez pas encore une fois à y aller doucement, soit diminuer l'amplitude, soit on ne fait pas l'exercice si vraiment c'est trop difficile, vous faites ce où vous vous sentez plus à l'aise, d'accord? On y va, on commence. Un premier exercice, on va associer les bras et les jambes. Très simple, je vais juste vous demander deux possibilités. Soit d'aller toucher avec la main le genou opposé, donc main droite vient toucher le genou gauche et j'essaie de le lever. On n'oublie pas de garder le dos bien droit et on serre le ventre. Hop. Pour ceux qui peuvent, on peut essayer d'aller soit avec l'avant-bras ou encore un peu plus dur jusqu'au coude. D'accord? Ce qui vient créer une rotation. Hop. Et je viens toucher simultanément genou droit, genou gauche. Ok? On va essayer de faire ça. Ça va être notre exercice d'attente. Donc encore une fois, trois possibilités, hein. Je viens toucher la main avec le genou ou alors avec l'avant-bras. Ou alors, pour ceux qui en sont plus à l'aise, avec le coude. Ok? Ça va? On essaye d'en faire une dizaine comme ça. On n'oublie pas d'être le plus droit possible et bien s'aider des abdominaux quand on lève la jambe. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Une, de l'autre côté. Deux, et on respire. 3, très bien. 4, je souffle. 5, 6, 7, 8, 9, très bien, 10, je relâche. Ok, super. Ça va là-dessus? Si ça ne crée pas de problème, on continue. On va essayer d'augmenter un petit peu nos mouvements. On va essayer de bouger la jambe droite avec le bras gauche en s'écartant du sol. Ça va donner ça. Les bras de chaque côté ici. Je vais essayer d'aller écarter la jambe droite, d'accord? Je la soulève légèrement, j'écarte. L'amplitude dépend de vos sensations. Si jamais c'est douloureux, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, juste ça c'est suffisant. Pour les autres, on essaye d'augmenter légèrement. Et en même temps, je lève le bras ici. Hop. D'accord? On essaye de synchroniser jambes et bras. On y va doucement au début. Ok? On va d'abord en faire une dizaine juste avec jambe droite, bras gauche. Et ensuite, on va inverser et on essaiera de faire les deux en même temps juste après. D'accord? Pour compliquer un petit peu. C'est parti. Donc juste jambe droite, bras gauche. Le bras le long du corps, la jambe proche de l'autre pied, le dos bien droit, c'est parti. Juste jambe droite, bras gauche, 3, 2, 1, on y va. Et une, je ramène. 2, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, super. On essaie la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci uniquement jambe gauche, bras droit. C'est parti. 3, 2, 1, on y va. 1, je ramène. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Ok, c'était la partie facile. Juste pour s'échauffer, nous on ne va pas garder ces deux mouvements-là, on va garder les mouvements associés. C'est-à-dire, on va essayer d'enchaîner d'abord un côté, puis l'autre. D'accord? Ce sera notre mouvement final, celui qu'on gardera pour le petit circuit juste après. On va essayer d'en faire 10 ensemble. D'abord lentement, d'accord? Si jamais vous trompez, vous arrêtez. On essaie de rattraper sur le bon côté et c'est reparti. Ok? Allez, doucement. 3, 2, 1, c'est parti. Une, je ramène. Deux, de l'autre côté. Trois, très bien, on n'oublie pas de respirer. Quatre, cinq. Encore une fois, si c'est difficile avec l'épaule, on peut aller devant, ici. Allez. Et sept, huit, neuf et dix. Ok, très bien pour celui-ci. Ça va? Ok. On va essayer de mettre un troisième exercice et le dernier pour ce circuit, comme on travaille tout le corps. On va essayer de faire ceci, toujours dans un objectif de travailler les bras et les jambes ensemble. Je vais essayer de tendre la jambe droite devant, la jambe gauche, pardon, la jambe gauche devant moi et le bras droit devant moi aussi. D'accord? Je ramène et je fais l'inverse. Ici. D'accord? Non, on va essayer de faire comme juste avant.
séparer les deux mouvements puis les associer ensuite. Donc on va commencer avec jambe gauche, bras droit. Je viens tendre et je ramène le cou. D'accord? Deux possibilités, soit en haut, soit en bas. Dès qu'on tend le bras, on tend la jambe. C'est parti pour 10. 3, 2, 1 et 1. Je ramène. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, très bien. On essaye de compliquer, on associe les deux. On va commencer avec bras droit, jambe gauche. On y va doucement. Dans un sens, une, puis dans l'autre. Très bien. Deux, puis dans l'autre. Trois. Ok. Quatre. On essaie de rester bien droit. Et on respire. Cinq. Oui. Six. Et sept. Je souffle 8, 9, ok, 10, et je relâche. Ok, on a tout normalement. Ça va? Je vais vous le rappeler un petit peu une dernière fois, les trois mouvements. Donc, je rappelle, on vient toucher avec les coudes, avec les avant-bras ou avec les mains, le genou. Ensuite, sur les côtés, j'écarte, je lève. Ok, et à l'inverse, on tend. Toujours le bras opposé à la jambe qui se tend. Très bien. Soit en haut, soit devant, au choix. Ok? Ça va là-dessus? On va essayer de les enchaîner. Cette fois-ci, pas d'ordre particulier. Je vais vous le donner au fur et à mesure. On va essayer de répéter chaque exercice au moins deux fois, mais alterner avec les autres. D'accord? Une partie lente, une partie un peu plus rapide. Pensez à bien respirer. Si ça devient trop compliqué, on relâche, on calme un petit peu, on rattrape sur l'exercice d'après. Ok, ça va pour tout le monde. C'est parti. On se met en place. On va commencer par d'abord les genoux qui viennent toucher soit le coude, soit l'avant-bras, soit la main. Allez, 3, 2, 1. D'abord de manière calme. 1, 2, 3. On n'oublie pas de serrer le ventre quand on lève. 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Ok, les bras de chaque côté, on vient écarter. J'écarte, je lève le bras. Une, de l'autre côté. 2, 3, 4. Attention à l'amplitude des ouvertures selon la sensation dans les hanches. 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Ok, c'est parti avec jambes tendues, bras tendus. Une, de l'autre côté. Deux, ok. Trois, allez, je souffle. Quatre, on essaye de se grandir quand on tend. Cinq, le plus haut possible. Allez, six, sept, huit. 9, très bien. 10, et on va reprendre le premier exercice. Attention, on va accélérer un petit peu. C'est parti. Allez, 1, de l'autre côté. 2, je souffle. 3, et 4, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, avec les écarts cette fois-ci. Allez, pardon, c'est moi qui me trompe. 2, 3, 4, on va jusque 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore et 1, on accélère. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est parti, jambes tendues, bras tendus et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus rapide, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, et je calme, et je respire. Super, très bien tout le monde. Je vous laisse boire un petit coup. On enchaîne ensuite sur la partie debout pour terminer. Une dernière partie hein, qui va peut-être essouffler encore un peu plus, mais très légèrement. Et on finira sur un petit peu d'étirement. Merci Thérèse, merci Muriel. Ok, n'hésitez pas à boire, c'est important. Surtout s'il fait beau comme ici chez vous, il commence à faire bon en bougeant aussi. Est-ce que certaines personnes sont trop essoufflées déjà? Que je sache si je dois faire attention à l'intensité ou ça va pour tout le monde. N'hésitez pas à me donner ces informations. Si c'est compliqué pour quelqu'un, n'hésitez pas. Et on continue du coup debout. Donc je vais vous laisser mettre la chaise de côté, sauf si vous en avez besoin pour vous équilibrer. D'accord, très bien. Merci Thérèse. Ok, super Fabienne. Merci Bruno. Allez. Ouais, c'est normal Pierre. Hein, c'est aussi un petit peu l'objectif, hein, la coordination, d'essayer de vous faire travailler des choses justement qui ne sont pas habituelles. Et plus on va accélérer, plus ça va être difficile. Donc n'hésitez pas à ralentir un petit peu pour mieux effectuer le mouvement, quitte à prendre un petit peu plus de temps et faire moins de répétitions, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, vous allez prendre l'habitude de faire tout ça et ce sera de plus en plus facile. Ok, on va essayer de finir avec 5 à 10 minutes debout. Donc, je vous laisse vous lever si ce n'est pas déjà le cas. Super, merci Dominique. Ok, très bien. Alors, je vais peut-être remonter légèrement la caméra. Hop. Et je vous laisse ranger la petite chaise. Ok. Donc, on va rester sur des exercices de marche, d'accord? On va laisser tranquille les bras debout. On va essayer juste de faire des mouvements qui vont vous faire travailler légèrement la coordination et aussi l'équilibre, d'accord? Donc, dans un premier temps, on va se prendre ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appelle un mouvement d'attente, c'est-à-dire quelque chose qui va vous garder actif mais qui n'est pas trop demandeur en énergie. C'est juste un petit pas avant, d'accord? Et je recule avec le même pied. Avant, ici, arrière. Ok, doucement et on respire. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite. Pour ceux qui souhaitent essayer d'aller chercher un essoufflement un petit peu plus important, vous pouvez accélérer sur ce moment-là. D'accord? Ça peut ressembler à un petit pas de danse. C'est très simple. On y va à son rythme et normalement, c'est accessible pour tout le monde. D'accord? Debout, si jamais il y a besoin, n'hésitez pas à prendre une chaise sur le côté et on y va. D'accord? Ça va être notre point d'attente. Je vous laisse le faire une dizaine de fois avec moi. Allez, c'est parti. Une avant. Arrière. 2. Et on respire. 3. Très bien. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Sur le deuxième exercice, on va essayer de se prendre un petit lever de genou. D'accord? Ça va donner ça. On vient faire un pas vers l'avant. Je lève légèrement le genou. Je pose. Je ramène. D'accord? Si c'est difficile. Vous récupérez votre chaise, on reste à côté, ça va donner ça. Je me tiens un pas devant, je lève le genou gauche pour moi, je reviens tout de suite en arrière et je ramène. Et on repart avec le genou gauche, le pied gauche tout de suite. Hop, je lève, je ramène et je change. Droite, genou gauche, pied gauche, genou droit. Ok, au niveau de la coordination, ça devient un petit peu plus compliqué. On essaie de le refaire en détail. Donc c'est très simple, on s'imagine un point devant soi. Je viens poser mon pied sur ce point. Pied droit. Si c'est le pied droit qui vient devant, c'est le genou gauche qui se lève. Je lève le genou gauche. Je repose tout de suite à sa place initiale et je ramène le pied droit. Très bien. On a fait une première partie. Deuxième partie, on inverse. Cette fois-ci, c'est le pied gauche. Je lève le genou droit. Je ramène et je ramène le pied gauche. Et comme on vient de faire la gauche, on repart avec le pied droit. Hop! Genou gauche. Très bien. Gauche, genou droit. Je ramène. Hop. Droit, genou gauche. Très bien. Hop. Gauche, genou droit. Normalement, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je fais ça en fin de séance. Normalement, vous êtes bien réveillé. Ça devrait être un petit peu plus facile. Genou droit, je ramène.
Pied droit, genou gauche, je ramène. Pied gauche, genou droit, très bien. Pied droit, genou gauche. Ok, allez, encore trois. Je souffle, je ramène. Je souffle, vous n'êtes pas obligé de lever le genou très haut, hein. Hop, vous pouvez juste ramener le pied. Une dernière. Hop, ok, ça va. Et on reprend ensuite nos petits pas de tout à l'heure. Ok, on continue sur un deuxième exercice. Ça n'en fera pas beaucoup plus si je vais avoir le temps de finir avec vous aujourd'hui. Deuxième exercice, on va juste essayer d'aller faire hop, un petit pas, je ramène. Et pareil de l'autre côté. Encore un petit changement d'appui. D'accord, très bon pour l'équilibre. On essaie de changer son centre de gravité. Très bien. Donc j'écarte. Je viens prendre appui légèrement sur la jambe extérieure, hein, dans la direction à laquelle je vais. Je souffle, je pousse, je ramène. On fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle. Une. Allez, c'est parti. Je souffle. Deux. Je souffle. Trois. Je souffle. Quatre. N'allez pas trop loin. Pas obligé de faire des grands, grands pas. Six. Très bien. 7, 8, 9 et 10. Je souffle, je ramène très bien. Ok, on a nos deux exercices. On va essayer de faire ça en deux ou trois vitesses selon les possibilités. Ce que je vous conseille, on va essayer de faire trois séries. D'accord? Donc, notre pas d'attente, avant, arrière. Ensuite, on y va avec lever de genou. Je ramène, on le fera lentement, je vous expliquerai progressivement. Je reprends mon temps d'attente avant-arrière et on repasse sur côté. Genou, genou. Ok, et on refait un petit peu plus rapidement. Et comme ça, sur trois séries pour finir. Et ce sera bien pour moi aujourd'hui. Ensuite, je pense qu'on arrivera au bout de la séance. Ça va pour tout le monde? On réessaye? Donc, c'est parti. D'abord lentement, un pas avant, un pas arrière. Une, doucement. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est parti. Attention, je lance mon pied droit, je lève le genou gauche, je ramène. Pied gauche, genou droit, je ramène. 2, pied droit, genou gauche. 3, pied gauche, genou droit. 4, je mets un petit peu de travail. Droit, je lève. Hop, hop, l'autre côté. Très bien. Pied droit, genou gauche. 6. Pied gauche, genou droit. 7. Allez, on lâche pas. 8. Très bien. 9. Et une dernière. 10. On reprend nos petits pas. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. On respire. 7. 8, avant-arrière, 9, attention, on va recommencer sur le côté 10, c'est parti, je viens prendre appui, je souffle, 1, de l'autre côté, 2, allez, je souffle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on reprend vers l'avant, avant-arrière, ça va pour tout le monde, c'était la première vitesse. On va pouvoir essayer d'accélérer si vous vous sentez capable. Sinon, on reste sur cette vitesse-là pour les autres. D'accord? On est à l'écoute. On n'essaye pas de se faire mal. Surtout si vous commencez à être essoufflé ou trop essoufflé. Asseyez-vous un petit peu. Rattrapez sur la troisième série. Et on est reparti dans 3, 2, 1. C'est parti. Jambe droite devant. Je lève le genou. 1. Je ramène. 2. Très bien. 3. 4. Un peu plus rapide, c'est normal. 5, 6, je souffle. 7, 8, 9 et 10. On reprend la petite marche. 1, 2, 3, 4, 5. On respire. 7, 7, 8, 9. Attention sur le côté. 10, c'est parti. On y va. 1, je ramène. 2, c'est ça. 3, je souffle. 4, on prend bien l'appui sur le genou. 6, 7, je souffle. 8, 9
Et 10, petit pas à nouveau. On attaque la troisième vitesse. On va accélérer encore un petit peu pour ceux qui peuvent uniquement. Sinon, vraiment, écoutez votre rythme. Allez, 6, 7, on accélère. 8, 9, 10, c'est parti. Pied droit, genou gauche. Pied gauche, genou droit. Droit, genou gauche. Et 4, je souffle. Et 5, et 6, 7. 8, 9, 10, très bien, petit pas, c'est parti. Allez, il nous reste un petit exercice et vous aurez fini pour aujourd'hui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien, sur le côté, c'est parti. 1, je ramène et 2, je souffle. Et 5, 6, 7, 8, 9. Et la dernière, 10. Bravo tout le monde, super. Ok, je vous laisse boire un petit coup. Ah bah super. Ça va? Tout le monde va bien? On l'a pas perdu en route? L'impression que tout le monde est encore là. Façon, sinon ils peuvent pas répondre. C'est ça. Merci Muriel, merci Thérèse. Super Muriel, bah ouais. Non. Merci Françoise, ouais, super. Bon, tant mieux si ça vous a plu. Bah ouais, écoute. Alors, je crois que normalement, vous aurez la séance à nouveau par mail, c'est ça? En replay, ouais, En vous replay. avez, vous aurez juste après la séance, vous recevrez un autre mail avec le replay et puis on la mettra sur notre chaîne YouTube aussi, comme on a Super. l'habitude de le faire. Donc vous pourrez la renouveler, vous l'aurez avec vous, vous pourrez la C'est ça. renouveler. Donc, si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à tenter à le faire de manière un petit peu plus rapide si vous avez senti que c'était facile, ou alors de gérer un petit peu plus votre effort si vous avez senti que vous avez été trop vite essoufflé. D'accord? C'est un très bon exercice. Et puis, on se retrouvera pour les prochains petites conférences sur le Ouais, rassemblement de jeunesse. vous reverrez Marc, puisqu'on travaille avec lui régulièrement. Marc, toi, t'es dans les Hauts-de-France, hein, C'est pour ça, je suis dans le nord, information. oui. Voilà, il est dans le nord. Vous le retrouverez certainement dans des futures séances. Merci Marc, en tout cas, Avec plaisir, merci à tout le monde d'avoir participé. pour cette séance. On te souhaite une bonne journée. On vous souhaite une bonne journée, une belle semaine. Et puis, bah, reposez-vous un petit peu. Là, ça va être l'heure de manger. Tout Et à puis, fait. vous serez en forme cet après-midi. Voilà, on vous dit à très bientôt. Bonne journée. Et puis, une belle semaine. Bruno, qui est Merci fan, Bruno, merci voilà, Pierre, bah, tu vois, tu as merci gagné Daniel. un fan. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, à la Bonne prochaine, journée. Patrick. Salut, au revoir.